Les téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bienvenue dans Fafa, la seule émission en Côte d'Ivoire où on casse les bérets sans état d'âme. Notre devise, union, discipline, travail, mais surtout béret. Je ne suis pas seule, je suis en compagnie de mon colistier, Mister Serge Défalé. On a un invité, il s'est fait connaître grâce aux réseaux sociaux, il est créateur de contenu sur le digital, il se nomme Bravador. Recevez donc Bravador chez vous. Bonjour Bravador. Bonjour. Merci d'être venu. Je vous en prie, c'est normal, c'est la moindre des choses. D'accord, ça nous fait plaisir. En tout cas, Défalé, Bravador est là. Hein? C'est tout un plaisir de recevoir Bravador dans ce fameux Fafa parce que ils ont trop parlé dans son dos ici. On a entendu beaucoup de choses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par le début. Hein. Déjà, il faut que Bravador se présente à nos téléspectateurs. C'est qui à l'état civil? Aïe, c'est Fafa qui est là comme ça. Là. Non, ça commence. Non, mais rentrons dans le vif des choses, dans les questions. Non, questions. Allons un peu. C'est une heure de temps, on ne va pas gaspiller les balles. Non, j'ai dit après, j'ai déjà côté, vous voulez déjà me désarmer. Non. À l'état civil, c'est M. Albéric. Mon nom de famille, je ne donne pas. Pourquoi? Non, c'est une âme secrète. Tu as honte de ton nom? Il n'y a pas honte de mon nom. Donc pourquoi tu donnes? Ils vont faire quoi avec mon nom? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te gêne de donner ton nom? C'est mon nom, je ne donne pas. Bon, originaire d'où? Je suis ébrié. Mon village, c'est Anono. Ah non, Abidjan, c'est pour moi. Non, Abidjan, tu es dans ce que tu dois. Et je suis chez moi. Il ne prend pas qu'à 100 francs pour arriver chez moi. Ah, d'accord, ok. Bon, ébrié, je vais dire quoi? Mobio. C'est pas Mobio. Ah. J'ai un nom très original, même pas Aké. Bon, c'est qui est-ce que ça tourne autour de ça? Ton jeu, tu y es fait, il ne rentre pas dedans. Ah, il ne donne pas mon nom de famille. Merci. Alors, Bravador, dans quelle catégorie tu te définis exactement? Je suis créateur de contenu digital. C'est français, il parle. Voilà, aujourd'hui, là, il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que vous guettez depuis longtemps. Je suis créateur de contenu digital. Je ne suis pas blogueur de vidéos. C'est quoi d'avoir collage vidéo, là? Ah, mais c'est quoi vous faites là, c'est collage de vidéos? Justement, c'est un talent. Talent mais donné. Bon, ah bah, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Il ne fait pas collage de vidéos. Attends bien, ma soeur. Tu fais quoi? Tu veux quoi? Toi, il ne fait pas collage de vidéos. Je suis créateur de contenu digital. Ce qui veut dire qu'il prend ta tête, il peut prendre sa tête. Tu prends ma caméra et puis il framponne et puis ça sort zoom. C'est vidéo collage. Ah, c'est toi-même qui fais le montage. Tu as doudé? Non, tu pourrais avoir un monteur. Hein. Qui? Non, c'est jamais. Ouais. Moi, non, là, je souffre trop pour avoir ça, non? Donc, toi-même, tu es monteur. Oui. Toi-même, tu es présentateur. Bien sûr. Toi-même, donc, c'est lui qui est personne. C'est brillé, il n'est pas prêt pour qu'on bouffe. J'ai suivi une formation en ligne pour apprendre tout ça. Là. J'ai une tête. Et puis, on dit que les ébriés aussi, là, hein, sort pas. Bon, enfin. C'est la faute de mes pieds. Hein. Quand il y a comme ça, tu ne plais pas ici. Hein. Donc, je répète, je suis créateur de contenu digital. Enlève-moi dans mon groupe de blogueurs, influenceurs, vlogueurs, marmites, torchons. Attends, je l'attends. Toi, tu n'as pas de c'est ici. Apparemment, il y a un problème. Non, attends, j'ai dit ça. Toi, je n'ai pas de problème, mes collègues. Non, tu veux dire qu'on a quand t'enlever dans le groupe des blogueurs, tu faisais partie de la ligue des blogueurs avec le Gina Kami Makoso. Non. J'ai été nommé en tant que président de truc là. Donc, tu as accepté quoi? C'est pas le truc. Toi, tu as même t'asseoir sur le plateau ici aujourd'hui. Tu as dit, non, faut pas monter. Mais c'est non, t'as mené là-bas quand tu m'as dit de mettre là-bas. Ils sont venus me voir, me proposer un poste. Non, mais t'as mené là-bas. Non, mais ils m'accusent. Laisse-moi m'exprimer. Non, moi, ils t'accusent pas. Moi, je ne dis les faits. Tu sais, dans quel coup, on m'a élu président. On t'a élu. Donc, c'est pas là-bas, c'est moi qui t'ai accusé. Là, tu vas nous dire de quelle façon il a été élu alors. Mais moi, attendez. Moi, je t'accuse pas. Moi, je dis ce que tu as fait. Il a fait quoi? Mais tu faisais partie. Tu étais là-bas. Le président ou tu n'étais pas président? Tu as lu les clauses? Bon, faut nous dire. On t'écoute. Ça seul. Tu es dans mon royaume de maturité. Dans son royaume de l'immaturité. Ah, tu as un royaume en plus. Non, disais pas. D'immaturité. J'ai un royaume de 2 200 000 abonnés. Ton royaume d'immaturité. Voilà. C'est moi qui ai créé ça. D'accord. Ils sont Makoso, Yaka Yaka, le groupe. Ils sont venus me voir. Ok. Bon, comme tu as une grosse communauté, en Côte d'Ivoire, ils sont le président de leur truc. J'ai refusé une fois. Oui, j'ai refusé une fois parce qu'il y a quelqu'un dedans qui était ami avec quelqu'un. Bon, nous ici, on a besoin de nom. Quelqu'un là, c'est pas... Moi, j'étais ami à Makoso. D'accord. Makoso, son pire ennemi, était mon camarade aussi. C'est qui? On ne donne pas de nom. Ah, Abouchou? Non. Tu as dit le nom de Makoso. Non, vous savez, dans la vie,
Je n'aime pas la discrimination. Quand Dieu était au ciel, quand Satan fait ses conneries, il a fait quoi? Il a chassé, non? Mm-hmm. Donc, pour éviter beaucoup de quiproquos qui n'ont ni queue ni tête, parce qu'il y a plainte qui va sortir dedans. Mm-hmm. Donc, on va taire le nom de la personne. Mais on sait tous que... Ah, Poutou! Mm-hmm. C'est qui? C'est ton ami, là. C'était. Ah. C'était. Bah, mais ce n'est pas dans ma bouche, c'est sorti. Donc, ce n'est plus ton ami. De là-bas. On n'est plus amis. On était amis, mais on n'est plus amis. Mais tout ça, c'est dû à quoi, tout ça? C'est pas les trucs là, c'est pas jalousie hein. Quand tu sais pas, il faut demander. Parce que Apoutou aussi a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux hein. Il y a pas que toi, Makosso également. Bon, il s'est passé quoi concrètement? Moi, j'ai 2 200 000 abonnés. Okay. Makosso a 2 500 000 abonnés. Il te surpasse. L'autre là, moi, il sait pas. D'accord. Bon, voilà. Donc c'est eux qui t'ont sollicité pour que tu deviennes le président des blogueurs. Il y avait un clash entre Makosso et puis Apoutou. C'est pas moi qui ai dit. Oui, il dit. C'est qui est-ce qu'il y avait un clash entre les deux? C'est moi, il ne veut pas prononcer son nom même là. Non, ça a évité beaucoup de paroles inutiles. Pour éviter que je n'aie pas transpiré en faisant direct. Et si c'est pas la bouteille de Boutia, comment elle est prête? Tu as peur de lui, oui. Moi, je ne suis pas parable. Je suis trop. Mais quand on regarde vos deux gabarits, on sait qui va bastonner qui? Je ne suis pas violent à la base. Ceux qui sont violents là, il faut UFC. Là-bas, on te frappe et puis on te donne l'argent. Francis Ngannou. Voilà. Allons-y. Donc. Il y a un clash a commencé à gangréner, comme graines dans le sol. Donc moi, je me suis mis au milieu par rapport à les séparer pour éviter qu'on soit chien et chat. Parce qu'on mange tous dans le même domaine. C'est ça. Moi, en tant que le médiateur, qui mon ex-ami pour lui dire, ah, frère ça, lui là, c'est mon vieux mon gars. Vos antécédents ne m'intéressent pas, mais j'aimerais qu'on s'asseye et qu'on règle le problème. Parce qu'on dabat tous dans l'âme de Facebook là. Donc pourquoi créer des discours, des clans, des conclaves, je sais, ça sert à quoi? Bon, l'ex-ami, il m'a écouté. Mais dans le dos des deux groupes, parce qu'il avait son groupe aussi, ma cousine son groupe. D'accord. Okay. Donc les deux parties m'ont proposé un poste que j'ai refusé premièrement. D'accord. Parce que je ne vais pas faire partie d'un groupe ni d'un clan. Moi, je suis un roi, il ne m'a dit pas au clan bizarre où il n'est pas là. Deuxième fois, le crash a commencé vraiment à gangrener, c'était très, 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 très lourd. Marcos me dit, bon, soit tu te rallies, soit tous les contrats publicitaires qu'on a, on ferme la porte. Ah, on te met ça. Donc, voyons la réalité de la chose. Joe, je paye facture. Voilà. Je nourris enfant, je nourris famille. Tu as des responsabilités. Donc, j'appelle mon ami une seconde pour lui dire, essayons de faire la paix. Entre temps, Yaka est parti en bien une vidéo. Je suis la maman de ce dernier. Ok, On l'a reçu même. Donc, moi, il récupère la vidéo. Vraiment, la vidéo, elle est très sale. Il y a beaucoup d'insultes. Mais je m'arrange à retirer toutes les insultes pour en faire des briefs comme d'habitude. Oui, oui. L'ex-ami est fâché. Ok. Ça, c'est avant que je n'accepte. Lui, il est fâché que pourquoi quelqu'un insulte sa maman. Moi, il fait des briefs. Il dit, mais aïe, toi aussi, tu as fait ça, non? Quand il fait pour les autres, tu étais content. Mais en même temps, j'ai enlevé toutes les insultes. Regarde bien la vidéo et puis dis-moi c'est où j'ai parlé mal à ta maman. Pour dire que tu n'as pas de parti pris. Tu comprends? Mais entre temps aussi, mon ex-ami avait un problème très grave avec Yaka de Paris. Okay. Donc Yaka s'est rallié à Makosso. Donc votre histoire là, c'est une affaire, l'autre s'est rallié à l'autre, l'ennemi de l'ennemi c'est mon ennemi. Ouais, c'est lourd, hein, c'est lourd. Maintenant, ce qui a fait que moi j'ai penché pour le truc là. Parce que j'ai démissionné de mon poste. On me dit, bon, voici ton contrat qui est là, voici des contrats publicitaires. Avant même qu'il écrive les conclaves, là, tu signes pas. Si tu signes, on ouvre les portes. Si tu signes pas, on ferme, tous les contrats soient annulés. Bon, vraiment, je me suis allé et signé un bon quand même. Mais donc, pourquoi aujourd'hui tu dis que nous, il ne faut pas te mettre dans le groupe là que tu n'as plus rien à voir? Et même le groupe, on va faire par là, entre eux. Alors, il n'était pas là. Makosso et puis Yaka, par là. En tournant autour de cela, nous, il y a une chose qu'on veut comprendre. Vas-y. Non seulement, tu es venu, tu t'es assis. Quand on a parlé de ça, tu as dit non, Satan, il ne faut pas me mettre dans le temps. Bon, nous, on n'était pas envoyés là-bas. Nous, on a juste constaté des choses que tu as faites. Mais au jour d'aujourd'hui, j'assume mes choix. Oui, donc au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus en odeur de sainteté. Donc, qu'est-ce qu'il en est réellement de la ligue des blogueurs que Makosso avait créée? Ça n'existe plus? En tout cas, tout est gâté de chez gâté. Mais si tout est gâté. Le président clash, le président d'honneur. Ça veut dire qu'il y a un Belzébuth au milieu de vous là-bas. C'est lui qui crée tout ce problème-là. À ton avis, c'est qui?
Est-ce que c'était pas toi? Tu me demandes? Oui, parce que c'est toi, tu étais le président. J'étais le président des blogueurs influenceurs de la Côte d'Ivoire. Bon, à titre péjoratif, si tu veux. Okay. À titre péjoratif. Okay. Voilà. Ouais. Mais je n'ai jamais pris fonction parce qu'il y avait tout le temps des guerres. Ah, donc, tu n'as pas pu t'asseoir. Il n'a même, même pas exercé. Fauteuil même, les maçons, ils ont enlevé en bas de moi. Parce qu'il y a trop de palabres. Un matin, dit, bon, moi-même, je démissionne de votre poste. Quand avant même que je ne démissionne, non, il y a trop de palabres par les stades. Et qu'est-ce qui crée toutes ces, tout ces bémols? À ton avis, c'est quoi le problème réellement? C'est quoi? C'est un problème de leadership? C'est la jalousie? Je ne sais pas, parce que l'autre a plus d'abonnés que moi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Franchement, les problèmes ne m'intéressaient pas. Moi, tout mon problème qui m'intéresse dans la ligue des blogueurs influenceurs, c'est mon argent. Donc, s'ils peuvent s'entretuer, je n'ai rien à faire. Moi, je suis comme un Américain. Partout, j'ai mes intérêts, je prends. Quand ça finit, c'est la guerre, là, tu vas voir quel intérêt. Mais c'est parce qu'il y a la guerre ici, il y a des gars. C'est pour ça qu'on te dit là, justement, parce que les intérêts que toi, tu veux. Ils avaient franchement, ils avaient de bonnes idées. Au départ. Au départ. D'accord. Mais le clash, c'est un peu bizarre. Banco, Banco, lui, on ne sait pas qui fait quoi. Tout le monde est énervé dans le groupe là. Le bouton aussi, elle venait pour elle. Makoso n'est plus le Yaka. Tout c'est tellement mélangé que je dis, bon, Makoso, tout au groupe. Tu as déposé quoi? Je m'en vais. Maintenant, aujourd'hui, tu n'es plus ami à Apuchu. C'est ça, non? Elle dit quoi? C'est ça, tu as dit. Je n'ai plus ami à Apuchu. Moi, il y a caillou dans mon oreille. Il y a des mecs qui sont tombés. On va décaillutiser. On a le même congélateur ici. On les caillou. Il y a caillou dans mes oreilles. Quand tu vas repartir, tu vas remettre caillou là. Celui dont tu parles, nous tous, on sait que c'est Apuchu. On ne va pas se mentir. On n'est pas des enfants, on est des adultes. Toi, tu dis. On s'entend. Mais tu as parlé de sa mère. Yaka, Yaka a clashé sa mère. Donc, même pour le plus analphabète de la planète, il comprendra que tu parles de l'amour de. Tu parles de Apuchu. C'est ce que ta bouche dit. Donc, bon, l'individu dont tu parles là, le monsieur que Yaka a clashé sa mère, que tu ne t'entends plus, tu n'es plus odeur de sainteté là. À l'heure actuelle là, oui. Est-ce qu'il y a possibilité de vous réconcilier? Franchement, il se peut et se pourrait. Parce que on côtoie quelqu'un que je respecte beaucoup, qui s'appelle Maurice Lemola. Papa en a 400 millions. C'est comme ça que moi je l'ai surnommé. Donc, il se peut, ça peut, peut-être que si on emboîte le pas en partant vers la réconciliation nationale, on peut se réconcilier. Mais pourquoi tu l'as surnommé Papa en a 400 millions? Il t'a donné 400 millions. Quoi? Répondre. Mais pourquoi tu l'as nommé? Pardon quoi? Pas la 400 millions. Non, vous savez, je suis un roi, mais mes pouvoirs se limitent quelque mais part. Mais toi-même, ta royauté là, c'est tout. Où est ton royaume? Parce que je ne sais pas où ça se situe. Alors, Bavador, pourquoi tu appelles le moulin Papa dans 400 millions? C'est payé, il aime l'argent. Ouais, il aime l'argent. Comme toi, tu n'aimes pas l'argent. J'aime l'argent, mais voilà. La façon toi, tu n'aimes pas l'argent aussi. Nous tous, on est là. J'espère que tu ne prends pas l'argent avec tes dents comme Poncho le gâteau. Hein? Non, pas de lui, c'est un voleur, c'est différent. Mais lui aussi, il est venu dire ici que toi, tu es un voleur. Attends, je vais chercher là. Tu dis Poncho, c'est un roi? Quoi, c'est un voleur? Ah! Oui. C'est un malhonnête. Les deux se rejettent la pierre. Poncho, ils ont maudit l'argent. Poncho, c'est le gars le plus gentil de la terre. Mais quand l'entombe dans sa main, il devient bête. Aïe, mais c'est fort ça. Il sait. Sinon, défalé. Mais on a reçu Poncho. On a reçu Poncho. Poncho, on lui a demandé. Et dès qu'on a dit, brava, on n'avait pas dit toi, on dit brava, donc c'est un voleur. Et c'est la même chose que toi, tu viens dire sur Poncho. Voilà, ça, parce qu'on comprend. Expliquez-nous. Qui a volé qui? C'est lui qui a commencé à voler. C'est parce qu'il nous a dit ici. Il a dit quoi? Il dit, toi, t'as fait tomber la société de Paul Leris, ça fait un. Merci. Non, mais écoutez, sois sérieux. Comment il fait tomber une société qui a plus de 74 millions de francs CFA? Comment? Ça nous, tu as demandé. Est-ce que nous, on était là-bas? Parce que mes collaborateurs, c'est des malhonnêtes. Le premier, même mon second numéro 2, c'était Poncho. Ok, bon, Poncho nous a expliqué une histoire où toi, tu lui as remis l'argent pour aller faire des passeports. Il fallait 7 faire des millions. Demandes, 7 millions pour aller faire des demandes de visa pour un groupe que vous deviez partir au Canada. Et lui, l'a fait. Attends, est-ce que Poncho, il est ambassadeur? Vous savez, quand le mensonge, là, il commence à courir, il va te presser, il va cogner mieux devant. Non, il ment. C'est un menteur. Et puis, c'est même pas au Canada. Tellement il ment, même, il s'oublie dans son mensonge. C'était une tournée européenne. D'accord. C'était 15 millions de francs. C'est moi qui en ai l'argent. Donc, tiens mon numéro 2. Il dit, bon, récupère les passeports de tous ceux qui vont effectuer le voyage. Secrétaire ou balayeur, tous ceux récupèrent les passeports. Voici l'argent, fais les photocopies, fais les réservations, fais les rendez-vous. Quand tu finis, tu m'envoies. C'est tout ce qu'il a fait. C'était tout ce qu'il a fait, du moins. Et il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il a pris l'emploi, il a donné dans gauche, je ne sais pas, au Cameroun là-bas. La camerounaise là, c'est là-bas. Il sait de quoi il parle. Donc c'est l'argent là, il a pris pour aller au Cameroun, ça pour aller vivre là-bas. Aïe, bien, mais avant on est passé, il a payé voiture. Il a payé sa Mercedes CLK bleue. DJ Calamite, il y a témoin qui est là. Calamite est là, Boba Vatel, là je suis là, il va dire ma. Mais qu'est-ce que tu vas dire que c'est l'argent de Paul le Riche, il a acheté sa voiture. Pourquoi tu n'as pas de voiture?
Mais on s'est on avait tous une voiture de... Attends, on avait tous une voiture de fonction. Ok. Voilà. Quand il a fait accident à sa voiture, il vous a pas dit la vérité. Pensez ici tout près là. Mm-hmm. Les photos sont quoi là? Il a fait accident à sa voiture là-bas. Mm-hmm. Comprends, non? Mm-hmm. Ok. Donc, il a pris de l'argent. Il a pris le véhicule. Donc, il a payé celle qui est partie au Cameroun. Si Dieu est mal, il est presque. En plus, il y a des témoins. Pourquoi vous voulez même qu'il parle, il parle beaucoup même? Non, mais nous, on se réfère à ce que Pontu est venu nous dire ici. Parce que vous n'êtes pas témoin de votre histoire. Quand Pontu parle, c'est pas les témoins. Voilà. Moi, il y a une chose qui me fatigue dans vos histoires. Toi et puis Pontu, là. Qu'est-ce qui se passe réellement entre vous deux? Parce que vous deux, là, vos versions. Diffère. Voilà, non seulement ça, vous avez fait face à face. Même dans face à face, là encore, là, vos versions même sont penchées. Vos versions. Moi, est-ce que toute cette histoire n'est pas une histoire qui est montée? Est-ce que c'est pas un buzz finalement? Quel buzz même? Vous voyez tout en buzz quoi. Vous nous avez habitués au passé. Donc, c'est ce que l'on vous dit qui est buzz quoi. On sait pourquoi là, c'est buzz, c'est quel amour? Ça, c'est ça. Comment ça? Le gars, il dit c'est amour. Tiens, quoi, nerveux de. Tiens, quoi, nerveux de. C'est celui où tu es arrivé. Il dit c'est amour. On n'est pas témoin. Quand il tu vois Bab qui est rentré dans sa figure, tu n'as pas peur de lui. Hey, mais il sait que c'est Buzz. Il m'a appelé, il a dit que c'est Buzz, tu fais. D'accord. Donc revenons à Pancho le gâté. Lui. Nous, on était en train de faire une émission avec Tesco. Pancho est venu. Quand ton nom est sorti net, Pancho était dans tous ses états. Donc nous, on veut comprendre finalement cette histoire-là. Pancho, il... De vous deux, vous vous accusez mutuellement. Mais... Bravado dit que Pancho est voleur. Pancho dit Bravado est voleur. Vrai. La question que je vais te poser, de vous deux, qui est le voleur? Moi, je suis le gars, en fait. Quand je suis transparent. Comme l'eau de roche. C'est ce que tu vas nous dire. Quand je parle toujours avec des témoins. Si vous ne me croyez pas, on appelle Calamite, on appelle Bobo Avata. C'est pas mieux, on va appeler Pancho lui-même. Non, il faut que les témoins soient là pour attester, mais dis. Ah, mais pourquoi laisser? Parce que Pancho, quand il pourquoi parle, laisser là, le concerné pour aller chercher des témoins? Non, parce qu'il y a des témoins qui étaient là. Pancho, quand il pose question, n'a pas raison, il s'énerve. Quand il crie, non, on ne crie pas. C'est posé tranquille. C'est parce que c'est important de partir à l'école là. C'est ça, on parle. Donc, tu veux... à l'école. Ah, donc tu veux dire que Pancho, c'est un analphabète? Il n'a pas fait les bancs? Il a fait quel banc? Lui, il a fait tabouret. Pancho, s'il a trop cet niveau CM2, il y a un master 2 en droit et sciences politiques, s'il vous plaît. Non, amusement, après, non, tu es rentré dans les codes de Pancho. Mais il nous dit la vérité. Je suis pas d'accord. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il pense ça de lui. Il a un niveau CM2. Quelqu'un en parle, il crie. Non, crie pas. Qui t'a fait connaître Paul le riche? C'est Pancho. Aujourd'hui, ton bienfaiteur, tu t'assois comme ça devant une chaîne de télévision et tu le pires de cette façon. Le même Pancho Bati m'est torpillé chez Paul le riche. Mais c'est normal, c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Tu t'attendais à quoi? Mais comment quelqu'un, tu me le présentes depuis toi et t'es saute? Vous venez moi me voir. C'est pour ça qu'il allait te torpiller là-bas, payer la soupe. Mais tu as fait la soupe. Non, parce que je suis intelligent et développer un esprit pour gagner l'argent. Lui, il est intelligent. Non, tu as développé un esprit pour voler le monsieur. Hey, si je voulais le voler, il y avait l'un de la caisse. C'est que tout l'an des sociétés, ça passe vraiment. Bon. Si je voulais le blesser, j'allais le blesser. Mais ça m'étonne. Pourquoi on t'accuse maintenant d'avoir fait tomber la société du monsieur? Non, ce qui l'a fait mal, c'est que quand moi je suis parti, le boss dit quand Bravado s'en va, vous tous dehors. Ah, tu étais le chef de la meute, quoi. Ils savent. Il n'a pas dit ça? Il nous a pas dit. Ah, il ne peut pas vous dire. Il dit que toi, tu as volé le monsieur. Non, dans la société, il y avait moi, Pancho, Calamite, Bobo Avata et puis qui encore même. Et en quoi consistait la société là? C'est une société événementielle. On crée des activités et tout. On est en instance de faire nos spectacles. Okay. Mmh, ouais, d'accord, donc, je vois. Tout est dit à produit financièrement et tout. Mais Pancho, quand on fait spectacle, il n'est jamais là. C'est ce que Pancho disait là. Pancho dit que toi, tu es gras. Il nous a dit ça ici. Il dit Bravado est très ingrat. Moi, je le présente à mon ami, à mon vieux père qui a les sous en fait. Il est dans sa société. Il nous prend, nous tous. Bravado veut manger plus que nous autres. C'est ce que Pancho nous a dit. Dans la vie, lorsqu'on parle des animaux à cornes, escargot n'a pas droit à la parole. Donc, c'est Pancho qui voit escargot là. Lui, il n'est pas escargot. Lui, il est fourmi même. Pardon. Il est petit dans l'histoire. Toi, tu me présentes quelqu'un. Il pose des Pancho de ça là, ça ne va pas connaître. Moi, je veux qu'on fasse un face à face. Ah. Parce que quand on va à la télé, et puis je ne parle pas beaucoup, Zuma on dit non, non, il voulait te dire. Moi, je suis quelqu'un de posé, tranquille, il n'a qu'à s'agiter comme il fait. Il face à face, où tu t'es calme, tu ne parlais pas trop. Tu Pancho a pris le dessus. Il s'est même écrit. Ah. Il est tous dans la ville, en dialogue. C'est argument contre argument. Tu n'as pas venu crier pour casser tes points, les gens, mon frère. Moi, je suis un roi, il n'y a pas le temps. Peine. Il a fini par les déposer. Ils ont jugé Pancho, c'est un voleur. Bravado a gagné. C'est fini. Qui a jugé que Pancho était un voleur? Internet a jugé. Non, Mais là, j'ai dit haut et fort. C'est parce que moi, j'ai démissionné. Le boss a mis tout le monde dehors. C'est tout.
C'est moi qui étais le chef. Ils savent. C'est ce que tu dis. Elle commandante, c'est moi. Ok, elle commandante, on voilà. a compris. Hein. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Mm-hmm. Ce que toi tu dis, et puis ce que Pancho dit là, c'est deux poids, deux mesures. Comme c'est on dit, que il y a deux villages, il y a deux causeries. Mais pourquoi dans ce cas, vous n'invitez pas toutes les personnes qui ont bossé dans cette société comme ça? Non, nous, on ne va même pas se fatiguer à inviter des témoins. Ça ne m'intéresse pas. On va vous inviter tous les deux, Pancho et toi. Vous allez vous asseoir ici. Mais ce n'est pas pour venir crier. Hein. Qui crie ici? Ah. Parce qu'on sait qu'il y a un qui est comme Popcorn. Quand on le met dans une lettre, paf, paf, il saute. Maintenant, il y a aussi qui est comme. Renard, il guette. Ça, c'est toi. Donc, vous deux, on va vous déposer ici. Et puis, vous allez nous expliquer ce qui se passe réellement. Parce que vous rejetez mutuellement la pierre. Nous, on ne comprend plus rien. On a l'impression que vous nous menez en bateau. Mais si vous êtes deux sorciers, il vient et parle. Qui est sorcier là? Vous deux. Quand il vient, parle, vous ne m'appelez pas. Quand est-ce qu'on vient parler ici? Je pense que quelque chose veut arriver. C'est pour ça qu'on t'a appelé. Non. Quand est-ce qu'on vient ici là? Quelque chose veut arriver. Non, tu sais, pour reconnaître les sorciers là, souvent là, hein, celui qui suivait la société, il peut les reconnaître. C'est son camarade sorcier qui connaît la société. Ça va, ça fait nous chignons pour venir nous trouver ici là. Ça va, ça. Vous vous êtes derrière. Bon, Yéli, c'est mon travail. Mais Yéli, là, là. Faut bien lire la question là. Non, je ne lis pas la question, mais il y a un truc qui m'intrigue un peu, tout concernant, je te dis. En fait, là aujourd'hui, quand tu fais tes vidéos, comme tu le dis, tu produis tes contenus. Mmh. Il y a tes vidéos de contenu. Et puis tu dis, tu fais ton débrief et tout ça. Mmh. Bon, souvent il y a des gens qui font des bad buzz et tout ça. Mais est-ce que parmi eux, personne ne t'a jamais convoqué à la police? Jamais de la vie. Mais moi, personne ne t'a menacé. Tu as garant pour dire qu'il ne faut plus jamais mettre ces images dans tes vidéos. Tu sais, souvent, c'est important de partir à l'école. C'est vrai, on fait du contenu, mais quand quelqu'un te parle et te dit, si tu postes mon image encore sur ta page, ce qui est très suivi, je te porte une plainte. Je ne suis pas bête. Non, c'est réciproque. Tu tilles et tilles. Tu tilles comment? Toi, tu peux tirer devant la main de Wapoudjou. Attends, tu penses que la loi ivoirienne, là, c'est pour les cabris? Ah, peut-être que c'est pour les chèvres, je ne sais pas. Mais tu tilles comment? Parce que la personne. Non, mais c'est toi qui utilisais l'image de la dame. Elle t'a garant. Attends, vas-y, explique. On m'a pas garant. Oui. C'est pas sa maman qui m'a garant. Ah, ça a poussé lui-même. C'est lui qui a mis un poste. Non, appelant un chat un chat. Non, il te moins. C'est pas ça. Internet, tout le monde lui en dessus. Mais on se connaît. On sait où bon, on rentre. Comment on fait? Quand tu dis que c'est comme ça, si la personne ne peut pas, tu dis que la personne. C'est comme tu vois sur la. Si elle me dit que moi, Bravador, si il poste sa photo sur ma page qui est très suivie, elle me porte une plainte, elle a raison. Mais bien sûr, voilà. C'est le droit. Donc c'est réciproque, quoi. D'accord. Donc c'est quand tu m'interdis, il fait pareil. Mais est-ce que la maman de Apoutchou a déjà posté tes vidéos? Mais elle ne fait pas de vidéos. Je pas la maman de. Est-ce que lui-même il a déjà posté tes vidéos, Apoutchou? Il a déjà pris tes images pour les diffuser sur sa page? Évidemment. Ah, d'accord. Okay. Quand on s'entendait bien. Quand ça s'est gâté, il m'a interdit. Vous comprenez que je lui ai rendu son trophée. Parce que lui, quand on veut couper un yam là, moi, il coupe la tête en deux en même temps. C'est quel trophée? Son trophée de sa cérémonie. Sa cérémonie d'Oscar des blogueurs. Ah, il t'avait même décerné un trophée. Oui. D'accord. Bien sûr. Mais toi aussi, ton cœur est noir. Non, mon père. Le gars t'a décerné ton trophée quand vous étiez en de bons termes. Parce que vous êtes en odeur de sainteté, tu lui redonnes son trophée. Vous savez, ça, c'est le comportement des garçons princesses. C'est pas grave. Voilà. Ici, je porte couronne, mais c'est pas grave. C'est toi qui portes couronne. Tu peux même porter le tutu. Non, mais regarde. Chez moi, dans mon royaume à moi, lorsqu'on coupe une yam, on coupe la terre en deux, chacun dans son couloir. Et la terre, là, c'est pour vous quand vous allez couper en deux. Mais Facebook, là, c'est un monde qui est assez vaste. Mais pourquoi est-ce qu'on te donne un dessin d'un trophée? Si je dirais que tu as eu le trophée sur le mérite ou bien c'est pas camaraderie. Parce que quelque chose que tu as rendu à quelqu'un qu'on sait que c'est camaraderie. Lorsqu'il organisait son événement, d'accord, je lui ai apporté des conseils. Et quand il faisait son événement, moi j'étais en Mauritanie, buvais thé. À ma grande surprise, je rentre en Côte d'Ivoire, il m'appelle, ah, tu as gagné un trophée. Moi je suis content. Okay. C'est pas une affaire de gens parce que. Non. Tu as dû te dire, yé, collage là, j'ai un trophée dedans. Merci. C'est comme ça que je me suis dit, franchement, c'est. Il veut te la jouer là, ça lui va pas finalement. Maintenant, il y a eu clash. On peut se clasher, se te dire, mais de là, aller mettre ma photo sur ta page et faire croire aux gens que je suis une mauvaise personne, sachant que les moutons qui vont commenter en bas là, on peut les nourrir tous les jours. Oui. C'est vos fans là, tu appelles mouton. Non, il y a fan et puis il y a mouton, c'est différent. Hein. Les gens qui viennent t'asseoir, mouler aussi. Tellement ça me dépasse, mouler me sort de n'importe quoi. Bref, sur internet, là, on va se dire une vérité. Donc, il y a fan et puis il y a mouton. Et puis il y a les moutons, bien sûr. Les gens qui viennent insister gratuitement, c'est que c'est des moutons, c'est des haineux. Quand un fan. Non, je préfère que tu dises haineux, mais pas mouton. C'est des moutons forts. Non, c'est des. Disons les choses terre à terre. Il y a des fans qui sont moutons. Tu sais, on demande qui a dit c'est Bravador.
Et puis ils savent qu'ils sont moutons. Et il a dit ça. Vrai fan là. Fa. Vrai fan là, quand il vient, tu fais une bêtise là. Hein? Soit il t'écrit en inbox pour te dire ah voilà. Il ne vient pas t'insulter ni ton père, ni ta mère, ni tes aïeux, ni ton travail. Parce que beaucoup aujourd'hui, quand on a commencé Facebook, on dit oh non, on est clochard, on est clown. Mais c'est aujourd'hui dans clownerie en fait. Là. On a payé terrain, on construit une maison. Et ça là, ils ont mal. Donc quand, lorsqu'il y a un petit bad buzz qui nous tous là, ils viennent nous insulter. Et moi j'appelle ça des fans moutons. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne le suit pas. Si tu me suis, c'est que tu es mouton, je suis ton berger. C'est un homme qui a dit, c'est bravado. Le roi des immatures, puis assume pleinement. Ah, le roi des immatures. Oui, en parlant du roi des immatures, tu dis à chaque fois dans tes déclarations que tu es le roi des immatures, que même tous ceux qui sont dans un système d'immaturité aujourd'hui, tels que les artistes comme Serge Benoît et tout ça. Mais bon, lui, il était immature avant. Oui, mais lui, il fait de la musique. Non, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Il fait quoi? Serge Benoît, avant, il était sérieux. Hein? Il mettait les poids sérieux. Ouais. Mais il a qu'à chanter. Oui, il chante. Il chante. Mais oui, ce qu'il a sorti dernièrement, là, c'est quoi? C'est immature. Serge Benoît, c'est vidéo, il fait deux jours là, c'est quoi? C'est vidéo immature. Avant, il faisait ça. Il chantait, il s'amusait, il faisait. Avant, il faisait pas vidéo. On a qu'à se dire la vérité. Il l'aime bien, c'est mon artiste. Il faisait pas vidéo avant. Quand il a vu que ça commençait à prendre là. Il est rentré dans la boule et ça marche pour lui. Ramatoulaye, pareil. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Non, non, c'est pour vous dire que. C'est pour vous dire que. L'immaturité. Tu dis quoi? Ramatoulaye, ça c'est un humoriste. Il est humoriste, mais il est rentré dans l'immaturité. Panthère, c'est qu'il dit, lui, c'est puis ses premiers cheveux rouges. Attends, donc si je comprends bien, immaturité, là, c'est un concept. Hein. C'est un concept, hein? Donc, un concept d'être. Fais croire que tu es bête et tu rentabilises derrière, en fait. C'est un système de marketing bien organisé, en fait. Donc tu fais croire aux gens que tu es immature, mais en fait, tu n'es pas immature, tu fais ton business, c'est ça? C'est comme bonjour. Parce que sinon, si tu m'aurais dit que l'immaturité, c'est une bonne chose, là, je t'aurais regardé. Mais justement, Pancho a dit ici que lui, il fait mouvement de business avancement. Lui, il a créé pour lui. Il a créé pour lui. Ouais, voilà. Maintenant, quand tu dis que lui, il est voleur, là, comment il est voleur? Il n'est pas voleur, il est esprit. C'est vous qui n'êtes pas très intelligent pour comprendre le mouvement de Pancho, finalement. On est bête même. C'est bon, ça. Donc, on est OK. Dans ton mouvement d'immaturité, et aujourd'hui, ça te rapporte tout ce qu'il faut, c'est bon pour toi, l'immaturité, il dit la ça marche. Alhamdoulilah, franchement, je n'ai rien envie à quelqu'un. Alors, quand il a commencé Facebook, il y avait que 200 000 francs dans mon compte bancaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de millions. Ah là, de quoi le risque que tu as appelé là. C'est pas grave. Ah. En fait, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Son seul problème là, c'est le jeune là. Le fils de la femme bleue, je n'ai il ne veut pas de... prononcer son nom là. C'est son seul problème. Si ça soit. Parce si que, ça en soit. En fait, je pense qu'il y a une petite rivalité entre il y a vous. Pas de rivalité. Il y a une jalousie qui est là. De quoi? On ne sait pas qui est jaloux de qui. Mais à t'entendre parler, moi j'ai l'impression que je connais Stéphane pas, depuis longtemps. Il n'y a pas de jalousie. Je pense que ce n'est pas quelqu'un de haineux. Mais quand toi tu en parles avec beaucoup de haine et de jalousie, je pense. C'est différent. Tu vois, là tu es en train d'écrire une polémique. Il n'a ni que ni polémique. Je me réfère à tu fais du pipo en fait. Tu fais de la poudre de perles pimpins. C'est quoi ça? Tu comprends pas français, toi t'es un poil et t'es bizarre. Mais parce qu'on m'a pas appris ça sur les bancs. J'ai fait des établissements à système français. J'ai fait des établissements à système français. Tu me parles pas des termes que tu emploies dans ton petit quartier. Je suis désolé. Tu as fini. Tu as divisé le couple de Doxy Yahoo et Grand P. Et j'assume pleinement. Tu es méchant. Mais parce que Doxy Yahoo a profité de Grand P. Ça fait quoi? En quoi ça te regarde bravator? C'est un couple duré 3 ans. C'est bisous sur joue et gagne. C'est pour ça qu'il a gâté. Tu es méchant. C'est pas qu'il est méchant, son cœur est noir. Non, moi j'aime mon ami. Actuellement, il est épanoui. Il aime joli go Guinée là. Un Karim Benzema correct tous les week-ends. Franchement, c'est bien. Là, il est épanoui. Il va à Dubaï, il fait ses trucs. Et Doxy, bon, il donnait quoi même à Doxy même derrière même lui. Là, tu racontes quoi même? Non, c'est une question que je te pose. C'est ton camarade, non? Quoi même? Je ne raconte rien. C'est une question donne, que j'ai posée. Il donnait pas, c'est caché. Mais il était dit gagner beaucoup d'argent. T'as moi, je dis. Que ce moment, il donnait quoi à Doxy? La question est claire, nette et précise. Il donnait quoi comment? Mais financièrement, est-ce qu'il a géré? Pourquoi pour, comme tu dis, Karim Benzema, là, laisse-y déclarer, laisse que tu... Bon, lui-même, déjà, pour commencer même là, mais il connaît l'argent. Moi, je ne sais pas qu'il le fréquente. C'est la question que tu dois poser. Moi, je ne sais pas savoir payer le fréquente. Attends, tu dis que Grand P ne connaît pas l'argent. Ami Bimoro ne connaît pas. Bon, pardon, tu as déjà fait un discours qu'on a fait de Grand P, là, tu as oublié déjà. Il dit Ami Bimoro ne connaît pas. Donc, toi, c'est Grand P, c'est un... L'homme qui bouffe, là, c'est Grand P, là. C'est son manager, là. Il t'a pas sans... Il m'a même lui lâche dedans. C'est bon, ton malade, lui il n'a. Donc, grand-père te décale le dia de temps en temps? Non, non,
en fait, dans la base, au début, c'était un buzz, mais le buzz nous a dépassé, que les vieux pas appelés, sinon, continue le buzz, voici les 3000 dollars, les 4000 dollars, oh. On a plongé. Donc, à la base, le buzz, en fait, Eudoxie, Yao, Grimp, c'était un buzz. Oui, c'était un buzz. Grimp voulait se faire connaître et tout, et nous, on a franconné quelque chose. Il a surfé sur la notoriété d'Eudoxie Yao. Voilà. Mais elle a gagné quoi dans cette histoire? Et qui paye tout? Dubaï, ça va là, qui paye? C'est Grimp. D'accord. Vous ne connaissez pas. Bon, donc, parlons de l'affaire de Dubaï où Eudoxie va là. Hein. Donc, apparemment, Bravado a beaucoup d'informations concernant cela. Oui, bien sûr, mais il ne veut pas donner ici. Pourquoi? Prochainement. Non, on ne peut pas tout donner. Vous savez, la petite vient maintenant. Elle est venue récemment, on l'a vu récemment sur les réseaux sociaux. Elle était à Dubaï. Elle dit qu'elle est partie en business class. Mais toi, moi, Eudoxie, elle chante quoi pour partir en business class? Ça nous a demandé. Ça nous a demandé ça. Non, parce que vous savez souvent, quand ils viennent ici, vous les. Le français, là, vous les touchez d'une manière dans le sens du poil. On les caresse dans le sens du poil. Non, on ne caresse pas qu'il y ait dans le sens du poil ici. On a pas de poil ici. Hein. Elle chante. Ça va combien d'années? Elle a combien de chansons pour commencer? Elle a deux chansons. Deux? Oui. Donc, avec deux chansons, tu vas. Elle dit que ses cachets varient de 10 000 à 15 000 euros. Elle nous a dit, elle a dit ça. Dans quel pays? Mais Dubaï, c'est là-bas, son mec s'enchanté. Je n'ai jamais assisté à ces personnes. Tu as déjà conseillé de danser à Dubaï? Mais toujours. Non. C'est là-bas? Oui. Oui, elle va se reposer, mais qui paye? Non, nous avons dit qu'elle partait se reposer, elle va faire spectacle. Spectacle à Dubaï, elle parle anglais. I don't know. Quelqu'un me parle, elle ne comprend pas son anglais, elle va parler. Donc, bravo, tu veux. Mais moi, facilement aussi. Mais non, mais donc, il nous dit la vérité, parce que cette affaire-là, nous, on ne comprend plus. On ne comprend plus. Elle a une demi-chanson. Elle a une demi-chanson. Elle a une demi-chanson. Non, bravo, non, excuse-moi, là, tu es en train de lui manquer de respect, je ne suis pas d'accord. Mais, hey, demi-chanson, comment? Il faut dire. C'est que la raison n'a pas terminé le son bien. Tu ne comprends pas? Quand toi-même, tu écoutes. Je n'ai jamais écouté. C'est ma soeur. Mmh. Elle sait que je l'aime beaucoup. Mais toi, tu connais pas une mélodie des dossiers. Oui, de ces mélodies. Son répertoire là. Ouais. Tu peux pas au nom de Dieu. Au nom de Dieu, tu vas pas le paradis. Tu peux pas fredonner. Tu vois, africain. Non? Tu vois comment les palmarès c'est vide. C'est quoi son répertoire musical est vide. Ah, c'est africain, tu es africain. Moi, je suis africain. Vous, quand on parle d'équipe de football, vous la parlez, mettez dans le. Ah non, si ça. Ah, c'est que là, la menace, c'est le film qui arrive à parler d'ici. Moi, Eudoxie, il l'aime beaucoup, hein. C'est ma soeur. Bravado, tu peux pas venir nous dire que tu connais pas chanson Eudoxie Yao. Toi, tu connais au moins. Pourtant, c'est ta soeur. Quel morceau? Eudoxie Yao, c'est fini. Mais au moins, tu peux fredonner le refrain, c'est bon. Fredonner, non, pardon, ça me vient. Elle a caché de 15 000 dollars. Euros. Pourquoi même? Mais pour une chanson que tu connais là. Donc, depuis 1940. Une chanson. 1940. Concert, tu n'as pas fait. Showcase, tu n'as pas fait. Mais faut taper Google et donc si y a un répertoire musical, ils vont te dire erreur 424. Aïe, aïe. Bon, elle fait concert là. Concert là, c'est sur YouTube. Au moins, c'est sur YouTube. On peut regarder. Demandez-lui d'envoyer les maquettes. Bravado, tu es un premier dossier en jeu. Non, vous me dites, moi je dis la vérité. Hein. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que Eudoxie et toi, ça va en ce moment? Vous vous entendez très bien ou il y a un problème? Il n'y a pas de problème, c'est ma soeur. Reste. Mais on ne peut pas pirer sa soeur comme ça sur une chaîne de télévision. Elle est bombardée si Grand Pé là, elle a dit quoi? Moi je dis la vérité. C'est que si moi je peux vous dire. On dit différent de nos amis. Son affaire de Dubaï, elle s'en va là. C'est l'homme qui paye. Ah, c'est garçon qui paye. Garçon qui paye. Mais Eudoxie a dit ici que elle, garçon, paye pas ses pieds, que c'est pas quelque chose. C'est faux. Elle dit qu'elle a des terrains, qu'elle est en train de construire des maisons et tout ça. Oui, bien sûr que oui. Mais à faire de où ça va à Dubaï, que c'est un mec qui paye là. C'est faux. D'accord, c'est bon. Donc, à ton avis, c'est plusieurs garçons qui payent, mais c'est un seul garçon qui paye. C'est un qui. C'est un. Kelly Wan. Grand paye. C'est ceux qui payent. C'est pas Grand paye. C'est qui? Le roi 12. C'est le roi 12, il apprend comme sa bonne petite, en fait. Il l'aime bien. Donc, arrêtez de dire que oui, c'est faux. Hein. Toi, tu sais beaucoup de choses, toi. Mais je suis. Bref, il y a une thèse. Non, non, tu ne peux pas te taire. Il ne veut pas te taire. Tu n'es pas venu ici pour te taire. Tu m'arrêtes de bravado. Non, c'est bravado. C'est dire que tu bravades. Tu n'as pas peur. Tu sais pourquoi on t'appelle bravado. Et puis, il est brave. Donc, tu es brave. C'est un garçon. Pardon. Un garçon. J'ai dit que tu es brave. Et puis, mais attends. J'ai renfermé beaucoup de secrets, mais je n'ai pas tout vous dit. La petite vient à manger. Donc, c'est dire que le jour intelligent. Il y a des gens ici, là. Il y a des gens qui sont si faits, ils ne peuvent pas me clasher. Comme qui, par exemple? Il y a beaucoup. Parce qu'il y a les dossiers. Puis, ça va. Deux petits noms. Non, pourquoi? Makoso Camille. Lui-même là. Oh, il a fait enquête même sur lui. Ah, d'accord. Oui, lui, c'est. Chacun de nous. Quand il sortait Sarah Messant, tu étais au courant? Tu ne lui as pas donné des conseils pour dire que ta collègue Sarah Messant. Quand il sortait ta collègue Sarah Messant, tu étais au courant? Sarah Messant, c'est une colleuse de vidéos, tu sais. Elle est très forte. Elle est la colleuse de vidéos. Elle ne fait pas contenu. Et toi, tu fais contenu. Elle n'a pas le même travail. Mais c'est que tu es au courant. Je la taquine, c'est que je la. Ah, d'accord. Ça n'a fait de Makoso. Franchement, je n'étais pas au courant quelque chose.
Mais est-ce que dans votre milieu de truc là, de couleur de vidéo, tu as sorti un d'autres dedans, une fille dedans? Forcément. Moi? Oui. Jamais. Réponds à la question qu'on a demandé à Ponto, il a répondu. Qui est ta go? Ponto. Il est infidèle pour commencer. Il a dit que sa femme est au Cameroun. Il ment. Ça a vraiment m'habiller ici. Décidément, Ponto ment dans tout. Ça va donc. On peut détester quelqu'un comme ça. Pourquoi faire des son ingé? Dis. Et dis pas. Pancho, il a peut-être pire rien. Sa vraie femme est à Abidjan. Je connais chez elle sa porte, son image. Je connais tout. Si il dit, moi, dans la caméra, c'est ce que j'ai. Car il y a son. Attendez, vous allez voir. Vous pressez pas. Il y a dossier de tout le monde. Enfin, de certaines personnes. Tu peux avoir. Tu as dossier. Qu'est-ce que tu as dossier? Tu as dossier, c'est défalé. Défalé. Même il y a Bib, même Zulu. Il sait même pas. C'est pour ça. Toi-même, pour toi-même, là, c'est Dia là. Ouais, c'est ça, Big Lord. Et puis, quoi encore? Il pourrait avoir que Bib sur moi. C'est pour prêcher le faux pour avoir le vrai, on connaît ça. Voilà, au moins, Bib, toi, tu as parlé aussi. Il est pas le pignon. Toi, c'est ta. Tu sais, les femmes, c'est un moulin à parole. Vraiment, la femme, c'est le haut-parleur universel. Quand tu as sacré, il s'est dit, mais putain, qu'est-ce qu'il est foutu comme ça? Ah, il y a ça aussi. Mais on est derrière. On est trop. On est derrière. On va parler pour rien. Sans l'homme, la femme, c'est zéro. Comment ça? La femme arrive quand même à se panier, elle arrive à s'affirmer ou à se faire tout seul, comment ça l'homme? Donc, attends, Défalé. Bravado a dit un truc qui m'intéresse tout à l'heure. Il dit que aujourd'hui, grâce au collage vidéo là, il a beaucoup de millions. Attention. Attention comment? C'est ce que tu as dit, je répète. Créateur de contenu digital. Je dis collage de vidéo. Respecte le métier. Tu as dit tout à l'heure que Sarah Messa était colleuse de vidéo, non? Donc, on te dit la même chose. Sarah Messa, elle est créatrice de contenu digital. Bon, voilà. Pour moi, tu colles des vidéos. Donc, c'est dans. Colle Alpha. Alpha. Ok. Donc, pour moi. Parce que vous avez une réponse. Eh, mon cher. Lui, c'est pas où. C'est vrai, Zoom nous a donné des garde-fous. Et sinon, parce qu'on allait vous pignoter. Non, allez, c'est un moment là. Non, non, c'est open bar. On respecte la chaîne. On va pas tomber dans les bassesses. Voilà, nous, on tombe pas dans les bassesses. On est virulents. Moi, mettons ma pirulant là. Moi, l'image est dans même. Pour les vidéos que tu fais là, c'est ça qui t'a donné des millions à Bijon. Ou alors, tu fais partie de la famille des mendiants. Des rampeurs qui prennent l'argent et leur temps. Comme Poncho le gâté. Moi, je ne dis pas le Dalois, père Dalois, je ne sais pas quoi, machin. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, je n'ai pas dit. Non, mais, non. Quand on parle de rampement, ils savent que c'est le père Dalois. Mon nom, c'est lui qui a créé ça. Moi, j'ai une tête, j'ai un cerveau. Voilà, moi, je prends mon téléphone et puis je frappe les choses. Et puis ça me donne l'argent. Ce que je mets sur Internet, là, c'est monétisé. Et puis je gagne mon argent honnêtement, sans que mon nez, sans tendre la main. Parce que je ne travaille pas, on essaie de main tendue. Donc, voilà. Qui travaille, mais c'est la main tendue? Qui travaille là-bas? Jamais là-bas. Et qui travaille là-bas? Je ne sais pas. Non, en tout cas, la première personne qu'on a connue, le président même de ça, même fondateur des mains tendues à Abidjan, c'est le père d'Alo. Maintenant, Pato, tu regardes qui pour lui, son collègue ou son camarade? Non, Pato, lui, c'est le vice-président. Pato, lui, c'est un chat. Ton camarade, être humain, tu penses, il y a un vrai chat. Faut te respecter. Faut avoir un minimum de respect. Non, tu te casses pour regarder cette vidéo en définitive. Maman, tu vois cette vidéo? On a mis sur Snap. Donc, le suivait alors. Il le suivait, il le suivait. Il le suivait. Quand il a parlé de Snap, il a fait des bruits ping sur lui. Moi, tant qu'il y a buzz, je suis content. Mais des fois, tu trouves que tu en fais trop, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Tu ne parles pas avec le gars. Pourquoi tu utilises ces images? Pourquoi? Il me l'a dit. Tantôt, vous parlez? Bien sûr que oui. Et puis vous insultez comme ça, vous traitez de voleurs sur tous les plateaux de télé, vous n'êtes pas honte. On boit bien mieux, mais on a bu bien ensemble. Mais vous êtes deux sorciers. Non, mais. Il y a un qui va empoisonner sa mamie dans cette histoire. Au-delà de nos querelles et tout, on s'entend bien dans la vie réelle. Mais quand on vient à la télé, il faut qu'on dise ce qui est. Non, il faut dire, moi je vais dire ma vérité, ma part de vérité. Parce que Poncho aussi a sa part de vérité. Non, Poncho. C'est pas toi qui détiens la vérité. Moi je suis une Bible de vérité, c'est ça la différence. Mais toi toujours tu dis que tu es Bible de vérité, c'est les autres qui sont menteurs, c'est les autres qui sont ceci. Parce que moi, j'ai pas ça, j'ai plein de défauts. Mais quand on parle, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. D'accord. Voilà. Bon. C'est fini. Donc, c'est pas fini. Défalé termine lui parce qu'il n'a pas pleuré. J'ai dit, bravado. Au-delà de tout ça, au-delà de toutes tes vidéos que tu fais, au-delà de tous ces clashs, de tous ces personnages qui vous êtes toujours il est dans vos histoires, les gens sont extrêmement capables de parler. Est-ce que vous êtes obligé de vous tirer dessus ou de vous faire des histoires? Qui tire sur qui même? Le monde est tellement simple. Quand tu attaches tous tes collègues dans tes vidéos, tu te moques. C'est pas bien. Mes collègues qui? Les Yaka Yaka, les Apoutu, tu te moques d'eux. Même Alpha Condé, président de la Guinée, il est passé. Macky Sall, il est passé. Notre président, ils sont passés. Même toi, les jeux vont t'attacher là. Je pense que tu as arrêté. C'est quand vous savez pas en fait dans les vidéos. Toi, tu te fous en tôle là, tu as arrêté. Là, je vous dis une vérité qui est très simple. D'accord. Dans vidéo collage, il rencontre Alpha Condé comme ça, face to face en Guinée. Vous n'avez pas fait quoi même. Ils adorent ce que je fais. Actuellement au Tchad là, le président Tchad, il dort pas. Tu as su sa vie. Il dort pas. Toi, à cause de moi, il a au moins 7 conseils en langue de Molière. C'est plate.
international qui a te trouvé en Côte d'Ivoire. La dernière fois, il a fait une vidéo, c'est un général 5 étoiles de l'armée. Son français, il est chaotique. Il a mis bim. Oui. On va un message, il faut doser un peu. Non, il ne dose pas. Babador, il y a des choses qui se passent entre eux. Aujourd'hui, il a parlé de beaucoup, surtout cette ligue de blogueurs. Parce que je voulais en savoir un peu plus ce qui se passe, parce que ça fait un moment qu'on n'entendait plus parler de cela. Justement, donc, le guerre, ils ont fait là, c'est pas dur. Donc ça a gâté la les ligue. Les deux groupes se sont écrasés. Ça, on n'en parle même plus. Et c'est ce que moi j'ai dit au début. Si vous continuez comme ça, ça va se détruire. Facebook, c'est comme c'est un gâteau où tout le monde peut manger. Mmh. On est tous monétisés. Asseyons-nous et mangeons ensemble. C'est tout ce que moi j'ai dit. Ok. Ok. Alors, notre émission tire à sa fin. Soko, on va. Voilà. Santiago derrière la caméra. Merci à Stéphane pour le son. Mot de fin de Bravador, ouais, qu'est-ce que tu souhaiterais que les téléspectateurs d'Ivoire TV retiennent de toi, retiennent de ton passage ici. Qui retient que je suis une personne immature, en fait. Je suis là pour porter la bonne humeur aux gens. D'accord. À ma façon. Je fais du mot la peau de banane. Tu sais que tu manges, je glisse, quoi. Mm-hmm. Voilà. Si tu n'es pas équilibré, tu te casses un pied. Voilà, c'est ce qui fait mon charme, ma beauté culturelle. Ton charme. Et ma beauté culturelle. Ah, beauté culturelle. Oui. Évidemment. Je suis connu. C'est à cause des vidéos, vraiment, on me réjouit de boiter. Mauritanie, même, c'est parti là-bas. Bon. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi l'émission Fafa. C'était avec Bravador, vous le connaissez dans son humour et dans ses thèmes. Voilà. Donc voilà, big up à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Les papas, les Vénitiens, c'est les enfants, ils font pas ici. Non, mais ça, nous, on t'a dit que c'est un tu venais trouver. On veut tout le monde ici. Santé. Alors, on vous aime tous. Merci, merci, merci à Kangala le berger, Ange le cultivateur, tous ceux qui nous suivent, Franck Mian. Le jeune industriel, et merci à Boudia, big up à tous et à toutes, merci. Aussi. Et surtout, sortez couverts, merci beaucoup. Notre émission est malheureusement terminée. Nous avons eu un réel plaisir à être en votre compagnie. Merci à Bravador d'avoir accepté notre invitation, même si c'était un peu chaud. En tout cas, nous, on se dit à la semaine prochaine, hein, n'est-ce pas, Défalé? D'accord. Et sortez couverts, on revient la semaine prochaine avec plus de papots à casser. À la semaine prochaine.